Mais je veux voir Dieu, donc pourquoi ne puis-je pas voir Dieu lui-même, son essence, plutôt que ses attributs ? Il n'est pas possible de le voir dans ce monde. Pourquoi ? Pensez-y de cette façon. Puisqu'il a créé l'univers, cela signifie qu'il existait avant l'univers. Son existence ne dépend donc pas de l'univers. Par conséquent, il ne serait pas logique de le chercher dans le monde ou dans l'univers en termes d'essence. D'autre part, si nous le voyons, ce ne serait pas un test, n'est-ce pas ? Imaginez que tout le monde voit Allah. Quel est alors l'intérêt du test ? Par conséquent, nous ne sommes pas censés le voir afin de ne pas compromettre l'intérêt même de l'épreuve. D'accord, je ne peux pas le voir dans ce monde, mais pourrais-je le voir dans l'au-delà ? On le verra dans l'au-delà. Il existe des versets et des hadiths à ce sujet. Il est mentionné dans le verset de la sourate Al-Qiyama, laissez-moi vous les réciter. Astaghidhu billahi bismillah wajuhu yawma idhin nadirahu ila rabbiha nadira. Ce jour-là, certains visages rayonneront d'éclat et de beauté, tournés vers leur Seigneur. Toutefois, le hadith donne beaucoup plus de détails. Jarir bin Abdullah dit « Nous étions assis avec le messager d'Allah, que la paix soit sur lui. Il a regardé la lune le 14 de ce mois et a dit « Vous verrez certainement votre Seigneur comme vous voyez cette lune, et vous n'aurez pas de difficulté à le voir à cause de la foule. » Il y a d'autres versets et hadiths de ce genre qui sont présentés comme des preuves à cet égard. Ceux qui croient le verront donc au paradis. J'ai une question, mais je pense que vous ne pouvez pas y répondre. Allez-y. Nous ne pouvons pas le voir dans ce monde parce que nous sommes liés à un lieu. Alors, le paradis n'est-il pas aussi un lieu ? Les yeux de ce monde et les yeux de l'au-delà sont en fait différents. Par exemple, pouvons-nous voir des anges lorsque nous regardons autour de nous aujourd'hui ? Non, mais il est dit que nous les verrons directement lorsque nous irons au paradis, n'est-ce pas ? On nous dit également que nous verrons les djinns. En d'autres termes, lorsque nous irons au paradis, beaucoup de nos capacités se développeront et se manifesteront. Elles s'amélioreront. Pour cette raison, notre capacité de voir sera différente et la qualité de cette capacité sera également très différente. C'est-à-dire qu'Allah a toujours été et sera toujours au-delà du temps et de l'espace. Mais nous le verrons toujours. Mais il n'est pas possible d'en comprendre la nature maintenant. Imaginez que vous essayez d'expliquer les couleurs à un aveugle de naissance. Il n'a jamais vu de couleurs. Comment pouvez-vous les lui expliquer ? C'est donc quelque chose que nous ne pourrons comprendre que lorsque nous le verrons et en ferons l'expérience. Je vais vous poser une question que tout le monde se pose au moins une fois dans son enfance. À quoi ressemble Allah ? En fait, il ne ressemble à rien. C'est ce qu'affirme le verset suivant, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de semblable à lui. Il ne ressemble donc en rien à sa création en termes d'essence. Comme nous venons de le dire, puisqu'il a créé le concept d'espace et tout ce qui s'y trouve, il n'a pas de forme et n'est pas lié au temps. Cependant, il est nécessaire de diviser ce concept en deux. Son essence et ses attributs. En d'autres termes, en ce qui concerne son essence, il ne ressemble à rien et rien ne lui est comparable. Mais pour ce qui est de ses attributs, nous avons quelques similitudes avec lui. Il nous a accordé certaines de ses qualités, de manière limitée bien sûr. Comment le savons-nous ? En effet, dans le Coran, lorsqu'il se décrit lui-même, Allah Azawajal utilise des termes que nous pouvons comprendre et auxquels nous pouvons nous identifier. Par exemple, il dit « Istaïd billah wa huwa samir al-basir », c'est-à-dire qu'il est celui qui entend tout et qui voit tout. Lui est un terme que j'utilise pour moi-même. Quand Allah s'adresse à moi, il se présente à moi en utilisant le terme que j'utilise, lui. Ce qui suit est énoncé dans un autre verset. À la fin du verset 44 de la sourate Al-Isra, « Istaïd billah innahu kana haliman ghafura », c'est-à-dire qu'il est « halim, hafour ». Que signifie « halim » ? Il signifie « le plus indulgent, qui ne se hâte pas de punir, patient ». Normalement, nous pouvons utiliser ce mot pour nous-mêmes. Nous disons que cet homme est patient, qu'il n'est pas prompt à juger, qu'il est indulgent, c'est-à-dire qu'il donne aux autres une chance de s'expliquer. Ou bien, il est afour, autrement dit qu'il est pardonneur. En fait, ce mot est aussi un mot que nous utilisons pour nous-mêmes. En d'autres termes, lorsqu'Allah se présente, il le fait souvent à travers les termes que nous utilisons. Ou encore, notre prophète a donné des exemples de la compassion d'une mère pour expliquer la miséricorde d'Allah. Alors comment faire la comparaison ici ? Nous ne lui ressemblons en rien du point de vue de son essence. Rien ne lui ressemble, mais nous avons des similitudes en termes d'attributs. Allah voit, nous voyons aussi, mais il n'a pas besoin d'yeux. Nous ne savons pas comment il voit, mais nous savons qu'il voit. Par conséquent, nous ne sommes en aucun cas similaires en termes d'essence. Mais il nous a donné de très petits échantillons de certaines de ses caractéristiques afin que nous puissions le connaître du point de vue de ses attributs. Ainsi, en les observant, nous pouvons penser que, tout comme je suis compatissant envers les gens et que je suis gentil, Allah a aussi de la miséricorde pour chacun d'entre nous. Bien sûr, nos qualités sont limitées, mais ses attributs sont parfaits et illimités. Ces attributs que nous possédons sont des manifestations minimales de ses noms.